Aïe aïe aïe, Kanye, Kanye, Kanye West, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il était bien parti! Il était bien parti en mode je m'en vais d'Adidas, je m'en vais, je dénonce, je balance tout. Et là, il repart à l'envers. Donc là, c'est la charte énergétique de Kanye West. Tous les symboles que vous voyez, ce sont ses centres énergétiques, tu vois, les triangles, les carrés. Il y en a beaucoup qui sont en blanc. En fait, il a un type d'énergie de projecteur. Les projecteurs d'énergie. Ils sont ralentis quand ils parlent. Ils sont calmes. Ils arrivent à capter beaucoup d'informations. Ils sont très empathiques. Et on le voit quand Kanye West il parle, il est calme, il est posé, il scanne son interlocuteur. Ils sont très intuitifs, ceux qui sont projecteurs d'énergie. C'est un truc de dingue. En plus, il est extrêmement intuitif vu qu'il est splénique. Ça veut dire que oui, il y a un triangle. Juste ici, c'est le centre splénique et c'est l'un des rares centres énergétiques qu'il a de défini. C'est-à-dire qu'il est extrêmement, extrêmement intuitif. C'est un truc de dingue. On peut voir sa mission de vie là tout en haut, 45. Créer une communauté, rassembler les gens, etc. Pa, 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 pa. Très intéressant. Il faudra un peu plus de temps pour la lire, pour décoder. Et si toi aussi tu veux comprendre un petit peu ton énergie, comment tu fonctionnes, je t'ai mis le lien de mon calculateur en bio, tu peux le faire, c'est vraiment bien. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres personnages célèbres et qu'on analyse un petit peu.